Aujourd'hui, je suis en charge des relations avec les grands clients, les institutions. Je suis cybersécurité évangéliste. On est dans le monde de l'agilité depuis quelques temps déjà. Et la crise sanitaire qu'on a traversée ou qu'on est en train de traverser a bien montré que cette agilité a été primordiale et que les entreprises les plus agiles étaient celles qui s'en sortaient le mieux. Alors l'agilité en termes de sécurité ou en termes d'IT, très souvent aujourd'hui, c'est l'adoption du cloud. C'est ce qu'on appelle la transformation numérique. Ça revient à finalement ouvrir le système d'information vers des infrastructures publiques avec toute la problématique de sécurité que ça pose derrière, bien évidemment, puisque à partir du moment où il y a ouverture, on a effectivement une surface d'attaque qui va augmenter, on a un impact en cas de compromission qui va être plus important, et ça modifie à la fois les politiques de sécurité, mais également les perceptions de la sécurité au sein de l'entreprise. La crise a eu plein d'inconvénients. Je pense qu'elle a eu un avantage, c'est de permettre aux RSSI qui n'avaient pas encore accès à la direction générale de pouvoir le faire. Et l'intérêt que ça a derrière, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est stratégique pour les entreprises, avec une vraie visibilité au niveau du CODIR, et qui permet justement d'avoir un niveau d'acceptation de certains projets de sécurité ou de certaines approches de sécurité qui est bien supérieur à ce qu'on pouvait connaître avant. En termes d'organisation, il a fallu organiser aussi le télétravail, même s'il était déjà démarré, il a fallu le généraliser cette fois-ci. Absolument. Alors, toutes les entreprises n'étaient pas au même niveau. Il y avait des entreprises où il y avait déjà du télétravail et où c'était relativement bien rodé, où il a suffi de faire finalement une mise à l'échelle, parce que en France, je pense qu'en moyenne, on était plutôt aux alentours des 10-15% de télétravail. On est passé du jour au lendemain à 100%. Donc ça a posé des problèmes de mise à l'échelle. Mais ça a aussi posé, pour les entreprises qui étaient moins matures, d'autres problèmes sur l'accès à l'information, des gens qui n'avaient pas de PC portable, par exemple. Donc comment on fait? Est-ce qu'on en achète? Est-ce qu'on retourne dans l'entreprise et puis on fait livrer chez les gens les PC? D'un point de vue risque cybersécurité, il y a eu deux aspects différents. Le premier, c'est effectivement un accès au télétravail généralisé dans l'urgence, avec effectivement parfois des raccourcis qui ont été pris, et on a plus pensé infrastructure que sécurité parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on a mis en télétravail une population qui n'était pas forcément prête pour le faire. Et on se retrouve avec plein de gens qui avaient l'habitude de travailler dans l'entreprise, donc on va dire dans un environnement relativement protégé, avec des risques réduits, et qui se retrouvent chez eux sur un PC banalisé qui n'est pas maîtrisé par l'entreprise, et qui vont pouvoir éventuellement cliquer sur des liens dans des messages. En plus, on est dans une période un peu angoissante, il y a des gens qui surfent sur sur la communication autour de la pandémie, forcément, et il n'y a pas eu une vraie augmentation de volume d'attaques. Il y a une croissance entre mars et juin de 2%, mais qui malheureusement correspond à la croissance habituelle du volume d'attaques. En revanche, il y a probablement eu beaucoup plus d'attaques qui ont abouti parce qu'on était dans un environnement plus vulnérable avec des gens moins sensibilisés. Il y a eu un deuxième problème de sécurité qui a été assez important à gérer, c'est que toutes les entreprises qui n'avaient pas d'outils collaboratifs, à un moment donné, quand les gens se sont mis à travailler chez eux, ils ont quand même besoin d'échanger de l'information. Et s'ils ne peuvent pas le faire à travers des outils proposés par l'entreprise, ils l'ont fait à travers de plateformes d'échange public, avec tous les problèmes de... quand la crise est finie, comment on fait pour récupérer les données qui sont éparpillées dans la nature? Il y avait une offre SASI qui vient d'être annoncée ou lancée. Quelle est sa proposition de valeur? Alors, SASI, en fait, on peut dire que c'est intégré en même temps le SD-WAN, le réseau étendu et également le réseau local, plus les fonctions de l'ensemble des fonctions de sécurité, donc le Firewall Next Gen, la Secure Web Gateway, le CASBI, etc. L'idée, c'est d'avoir une visibilité, de pouvoir permettre à n'importe qui d'accéder aux ressources de l'entreprise de n'importe où de manière agile. C'est pousser un cran plus loin l'agilité. Et on connaît ça avec le SD-WAN, c'est finalement aller un peu plus loin que le SD-WAN et pouvoir prendre en compte l'ensemble du périmètre de l'entreprise avec cette notion d'agilité qui est très importante, donc de pouvoir réagir en cas de besoin, de pouvoir autoriser un utilisateur qui vient en rejoindre l'équipe ou l'entreprise alors qu'on est en confinement, de pouvoir lui permettre d'accéder aux ressources de l'entreprise directement, simplement en lui donnant un login, un mot de passe et éventuellement, c'est quand même conseillé, un système d'authentification multifacteur pour pouvoir et directement lui autoriser les accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise.
y a eu un énorme changement au niveau des IT des entreprises, c'est qu'aujourd'hui c'est le métier finalement qui drive l'infrastructure, et le métier forcément il doit être très adaptable, répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui, pour être compétitive, les entreprises elles ont besoin d'être au plus proche de leurs clients, de proposer des services toujours plus innovants, de réduire le time to market, finalement d'être agile, y compris au niveau des infrastructures. Donc cette capacité de pouvoir répondre à des demandes très rapidement, sans remettre en cause l'existant et avec moins de ressources, c'est effectivement quelque chose de très important. Ça intègre forcément effectivement des infrastructures publiques avec des risques beaucoup plus importants. Finalement, cette approche SASI, c'est une approche qui intègre à la fois la capacité d'adaptation et d'agilité des infrastructures, mais la capacité en même temps de déployer la sécurité de bout en bout, de manière transverse et de manière transparente. On a depuis longtemps des alliances avec les grands cloud providers, tout en restant agnostique, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec AWS, Azure, GCP, Oracle et autres, tous les fournisseurs de services, pour pouvoir apporter la sécurité de bout en bout. C'est-à-dire que l'objectif pour un client, lui, ce qu'il va vouloir protéger, c'est la donnée. Après, que la donnée, elle soit dans ses locaux, dans un data center qui lui appartient, sur le poste de travail de l'utilisateur, dans l'entreprise ou en situation de mobilité, ou dans un cloud public, elle a la même valeur, elle doit être protégée de la même façon. Donc, il faut être capable de déployer la sécurité partout, y compris dans ces clouds. Et effectivement, ça passe par des mécanismes d'accord dans les marketplaces, dans des systèmes de déploiement automatique, pour pouvoir justement fournir cette sécurité au plus près de la donnée et dans n'importe quel environnement. Et derrière, le besoin, c'est effectivement cette capacité de résilience, cette capacité de pouvoir s'adapter à différentes conditions et être capable de continuer à fournir le service aux clients. Comment on va évoluer le portefeuille de Fortinet en 2021? Alors aujourd'hui, c'est effectivement toujours sur ces aspects-là, des annonces qui vont être faites très, très prochainement sur des services SASI de bout en bout et avec des grandes facilités de déploiement, des fonctions d'hyperscaling également, parce que qui dit adoption du cloud dit effectivement protection de ces clouds-là, qu'ils soient privés ou publics. Et quand on parle de cloud de ce type-là, il y a forcément une très forte concentration de données, des gros volumes, et donc il va falloir être capable de traiter ces volumes, la sécurité sur ces volumes sans impacter l'expérience utilisateur. Donc on a à la fois de la souplesse et de l'agilité avec la capacité de déployer la sécurité au plus proche de la donnée, mais également de la capacité de pouvoir apporter de la sécurité sur des gros volumes sans impact pour pouvoir répondre à ces grands centres de données qui concentrent les informations. Dans l'acronyme SASI, il y a le mot Edge, justement. Oui. Ça veut dire que Fortinet se positionne comme l'acteur de sécurité capable de répondre à toutes les architectures, que ce soit Cloud, Edge, Premise. Tout à fait, c'est pas nouveau. Hein. Depuis longtemps, on parle de la sécurité de bout en bout, de l'IoT au cloud, du poste de travail jusqu'au data center. On est en plein dedans. Donc effectivement, c'est cette capacité de pouvoir déployer la sécurité au plus près de la donnée, c'est-à-dire sur la périphérie du système d'information, dont la frontière aujourd'hui est extrêmement floue et où on ne peut plus avoir de zone de confiance. Donc effectivement, ça passe par cette notion de zéro trust, cette notion de montrer patte blanche avant d'accéder au système d'information, où que soit le collaborateur ou l'utilisateur. Probablement que l'agilité était déjà en marche. Je pense que la résilience est un peu plus poussée par la crise qu'on connaît actuellement. Mais effectivement, ces deux sujets extrêmement présents dans les différents clients qu'on a pu voir, quelle que soit leur taille d'ailleurs, on a ces problématiques qui reviennent systématiquement. Ce qu'on constate, c'est une demande également beaucoup de consolidation, d'orchestration, d'automatisation. Aujourd'hui, les infrastructures de sécurité sont quand même relativement complexes parce que malheureusement, ça passe par un ensemble de technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas une technologie qui permet de se protéger contre tous les types de menaces. Donc on a cette contrainte de déployer des produits différents, en tout cas des solutions différentes. Et en revanche, ce dont on a besoin, c'est effectivement cette capacité de pouvoir apporter du lien, de la synergie, de l'automatisation entre ces fonctions. Parce que sinon, une approche purement en silo, ça a plutôt tendance à tirer le niveau de sécurité globale vers le bas. Ça augmente la complexité et ça monopolise les ressources sur des tâches finalement qui ne sont pas très à valeur ajoutée pour l'entreprise. On traite ça à travers une plateforme, à travers la Security Fabric, dont l'objet est de finalement de proposer une sorte de framework qui va permettre de venir plugger les fonctions de sécurité et qui va apporter une synergie, une capacité d'intégration et d'automatisation de ces fonctions entre elles pour finalement masquer la complexité.